Hello famille, encore une fois de plus, nous sommes dans l'émission dédiée au rap ivoirien et à la web comédie ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes avec des web comédiens très talentueux, ce sont les Dégameurs. On reçoit les Dégameurs tout à l'heure, juste après le générique. Everybody put your hands in the air. Comme je vous le disais, on reçoit aujourd'hui les Dégameurs. Ils vont tout dégamer dans cette émission-là. Voilà, eux là, quand on chante à gauche, ils sont à droite. Quand on chante à droite, ils sont à gauche. Ils dégament partout, voilà. Bon, les Dégameurs, qui sont les Dégameurs? Ouais, les Dégameurs, c'est composé de trois jeunes web. Voilà, trois personnes qui sont Simo le Dégameur, Momo le Dégameur et Isco le Dégameur. D'accord. Ensemble, nous formons les Dégameurs. Désormais, on sait maintenant qui sont les Dégameurs. Mais on veut savoir, les Dégameurs, qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que les Dégameurs font? Bon, déjà, pour commencer, les Dégameurs sont des web comédiens. Les web comédiens, humoristes, d'accord. Des metteurs en scène. Des metteurs en scène, d'accord. Ah. Mais depuis combien de temps les Dégameurs sont dans la web comédie? Bon, en fait, les Dégameurs sont dans la web comédie. Ça fait un bout de temps. Ça fait pratiquement 2 ans que les Dégameurs sont dans la web comédie. D'accord. Voilà. Donc, on peut poursuivre en disant, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire de la web comédie? Oh, ce qui nous a poussé, bon, tout d'abord, c'est une passion. Voilà, d'accord. On a commencé d'abord à figurer dans les... Si vous connaissez Ange Freddy, ouais, on Ange a Freddy, figuré ouais. Beaucoup dans ses vidéos de karaté, tout et tout, à qui on fait un gros coucou. Ouais. Voilà, c'est lui qui nous a inspirés. Donc, étant donné que nous étions des figurants, on s'est dit pourquoi pas nous-mêmes un jour aussi. Voilà, parce qu'on adorait ça. Voilà, on adore, donc on s'est lancé dedans. D'accord. Mais les web comédiens qui sont les Dégameurs là, qu'est-ce que vous étiez avant de devenir les Dégameurs? Qu'est-ce que toi tu faisais dans le temps? Bon, moi, à l'école primaire même, je montais des scènes de théâtre. Mm-hmm. Ouais, je montais des scènes et puis je jouais. D'accord. Voilà. Mais ça, la web comédie ne nous a pas empêché de ne pas aller à l'école. On continue d'aller à l'école toujours. D'accord. Donc, je peux dire, comme on associe. Les études, c'est très voilà, important. Moi, je suis à l'INSAC. À l'INSAC. Voilà, en deuxième année d'INSAC. Okay. Moi, particulièrement, avant même d'embrasser la carrière de la web comédie, j'étais déjà un étudiant. D'accord. Un étudiant en BTS, en première année de finances comptabilité. D'accord. Voilà, mais c'est... Donc toi, tu dois compter l'argent. Ouais, logiquement. Mais pourquoi tu as laissé faire de l'argent, Thierry? Non, en fait, tu sais, toute chose, c'est la passion. Ouais. L'amour de la chose. Ouais. Voilà, c'est vrai, les gens se disent non. Souvent, il y a d'autres qui créent cette polémique, qui se disent non. Pourquoi ils laissent la comptabilité? Pourquoi ils laissent la comptabilité pour la comédie? La comédie est sans avenir, selon d'autres. C'est pas faux aussi. Ils ont une idée arrêtée. Ils ont une idée arrêtée. Oh, bizarrement, je peux leur dire, je n'ai pas laissé la comptabilité. Je suis une passion. Ouais. Mais le fait de suivre sa passion ne veut pas dire que non, tu as laissé la comptabilité. Effectivement. Non, tu peux être un très bon comptable et être un très bon comédien. D'accord, c'est super. Moi, particulièrement, je suis en Master 1 en études de développement. D'accord. Voilà, vraiment, avant d'aller à l'école même déjà. Je regardais beaucoup des films du cinéma en fait. Donc c'est comme si j'étais passionné déjà par la comédie déjà pour commencer. Depuis ton enfance. Voilà, depuis mon enfance. Donc déjà, je me suis lancé dans la comédie. Et puis j'ai vu au final que ça a commencé à. Comment dirais-je même? Ça a commencé à porter fruit. Tout ça. Voilà. Donc j'ai préféré en même temps me lancer dans la comédie. C'est une bonne idée, vu qu'aujourd'hui, les Dégameurs sont l'un des piliers des web comédiens de la Côte d'Ivoire. Vous avez pu imposer votre gamme, votre science, tout ça. Justement, comme on le dit. Mais qui vous a découvert? Qui a découvert les web comédiens qui sont les Dégameurs? Bon, concernant la découverte des web comédiens, on a été d'abord validé par plusieurs grands web comédiens. Mmh. Qui sont par exemple Moses Aouné, Pancho Le Gâté, Willy Dombo, Observateur Ben. Et même, je peux dire le nom Dégameurs. Pourquoi on a choisi le nom Dégameurs? Ça vient aussi d'un web comédien qui s'appelle Stratège. Stratège. Il tourne beaucoup des vidéos avec Gilles Beco. C'est à travers lui que vous avez choisi. Parce qu'en son temps, lui s'appelait Stratège Dégameurs.
Mais au début, on s'associait avec lui pour faire des petits films des vidéos, tout et tout. Mm-hmm. Donc, le nom même des gamins nous a... C'est resté les dégameurs. En tout cas, sur Instagram, sur Facebook, partout, sur les réseaux sociaux, vous dégamez partout. Mais décrivez un peu vos émotions lorsque vous avez fait, vous avez eu le premier succès de votre vidéo. Bon, vraiment, quand on a eu le premier succès de notre vidéo, vraiment, on était content. Mm-hmm. Parce que non seulement on voit que notre vidéo a pris, mais non seulement notre vidéo a été aimée par plusieurs personnes. Ouais. Vraiment, c'est déjà le premier point le premier point positif à pouvoir dire. Voilà. Le fait que plusieurs personnes aiment nos vidéos, déjà, ça nous envoie encore aller de l'avant. Encore à faire plus de vidéos. Voilà, à travailler plus sur nos vidéos. Donc voilà, vraiment, ça nous tient à cœur que plusieurs personnes aiment nos vidéos. Tu sais, la web comédie, c'est pas facile au début. Hein. Au début, on a commencé avec les 3 vues. Quand tu postes une vidéo sur Instagram, ça prend pas. Donc imagine-toi, tu te lèves un matin, tu postes une vidéo et puis la vidéo cartonne. Ça fait 40 000 vues sur Instagram. Instagram, nous tous, on connaît valeur de 1000 vues même sur Instagram. Donc voilà, quand c'est corrompu, on te voit dans la rue. Oh, on a vu la vidéo, ça a tué. Et puis, c'était le challenge même de Amina. Là. Jolie Amina. Voilà, c'est la vidéo qui nous a plus réussi. D'accord. Ouais. Donc, c'était la question suivante. Là. On allait vous demander bon, quelle est la vidéo qui vous a révélé. Vous venez de donner le titre. C'est Jolie Amina. Jolie Amina. Voilà pourquoi on est dans le Tifu, en pote. C'est le futur. On va loin. La vidéo concernait quoi? La vidéo parlait de quoi? Bon, c'était à ce temps, c'était un discours entre Arafat et son fils Ariel Sheni. Non, au moment où j'étais en discours, on s'est dit quoi? Ah, comme nous sommes des jeunes comédiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une vidéo qui va introduire le discours de Arafat et son fils Ariel Sheni. D'accord. Alors, c'est dans ce but qu'on a commencé, on a fait la vidéo, puis on a lancé. Et puis automatiquement, on s'est réveillé en une grande surprise. On voit que la vidéo, ça a cartonné, tout le monde parle de ça. Des pages ont reposté. Plusieurs pages en tout cas ont reposté la vidéo et tout. Donc c'est ce qui a fait encore. Ce qui nous a donné plus de force. Plus de force encore. Ouais, continue. C'est super. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les dégameurs sont approchés par des patrons de labels pour une signature ou bien par des marques de vêtements ou de produits? Oui. Bon, aujourd'hui, les dégameurs, vraiment, ils sont approchés par plusieurs marques. D'accord. Plusieurs marques même, ils sont approchés par plusieurs marques. Et par même des labels. Donc, on peut dire aujourd'hui, vous avez l'embarras du choix. Voilà. L'embarras du choix. C'est super. Mais quand tu nous arranges pas, nous aussi, on ne peut pas faire ton travail. C'est comme ça. Parce qu'il faut savoir valoriser les artistes. Votre métier que vous faites. D'accord. Mais avez-vous déjà été humilié en public? Si c'est humiliation, il faut laisser même. Il va me tuer. Chaque jour même. Bon, on va faire chacun. Toi, faut dire. Humiliation ou ça? En public. En public, hein. Lors d'un spectacle. On ne sait pas où tu es parti, il ne sait pas, quelqu'un a déjà gagné. Ça, c'était notre premier spectacle. En tout cas, comment dirais-je même Arrivera, maison blanche. D'abord, même là. Taximètre, même là, on n'est pas là pour payer, même moi là même. Ça y est, on ne connaît pas le coin. On ne connaît même pas le coin. Donc là, lui, il rentre nous seulement. On était prévu pour lui donner 2000. Mais au final, même à ses 5000. Donc on était obligé de prendre crédit à quelqu'un même là-bas même, pour payer. Et puis le camp. Ouais. On arrive sur scène, on se présente, on dit nous, c'est les dégameurs, les meilleurs comédiens. Mais à ce moment-là, on n'avait pas compte. Ouais. Mais quand tu arrives devant un public, il faut te valoriser, mettre la valeur. Donc on a dit nous, on a plus de 200 000 abonnés, on est les meilleurs comédiens. Mais les gars nous ont niqué. Hein. Ça verse les tomates, l'eau sur nous. Je te dis, quand tu dis nous sommes les dégameurs, ouais, les jeunes les plus influents. Et puis il y a les gars, ils sont là, ils disent et alors vous êtes on est en train de prester même, les gars, pas devant. On dit bon, on a fini, hein. On peut bisser, on dit non. Bon, on verse l'eau sur nous. Vraiment, non, ce jour-là, ça. Vraiment c'était en 2010. C'est la plus grande humiliation que moi j'ai eu ce jour-là. Mais le coup de la vie, là, ça vient au fur et à mesure. C'est pas là seulement on a été humilié. On a été humilié même à nous-mêmes, notre premier one-man show. Attends, toi, tu es archiviste ou notre premier one-man show a été, c'est-à-dire, tu organises ton spectacle, tu appelles tes fans de venir, tu appelles ta famille de venir te soutenir. Et à ton spectacle, on te dit les leurs descendent sur scène. Aïe. Toi, mais c'est comme tu es un artiste invité même. Tu fais partie de la liste des artistes comment invités. Comment ça s'est passé? On ne comprend pas les fanatiques. Vous ne comprenez pas, non? Expliquez. Mon spectacle, il fait 3 minutes sur scène. Bon, le truc, c'est quoi? C'est au commencement de notre spectacle, d'accord, on travaillait avec Dico Production qui se jouait en tant que rôle de manager. Voilà, donc c'est dit quoi? Pourquoi pas avancer avec lui?
Donc c'est avec lui qu'on a commencé à organiser notre spectacle. Mmh. C'est-à-dire lui fait des tickets, ouais, et nous, on fait la promotion de notre spectacle. D'accord. Donc bon, on a commencé à faire la promotion pendant 2 mois ou 3 mois. Mmh. Donc on a commencé à faire la promotion, on s'est dit quoi? Bon, c'est le spectacle des dégameux. Ouais. Nous, on ne savait pas que le gars nous utilisait pour pouvoir se faire pour pouvoir du blé, avoir voilà, du blé. Un bon public au fait. Donc on invite tous nos amis. Le jour arrive, on dit bon, on va partir faire ce spectacle. On arrive, nous-mêmes les concernés, on nous met dans. C'est comme si vous utilisez pour voilà, faire un concert. Voilà, et c'était dire, ça en fait. C'est si cadavre en main, il vit encore, même il si 5 francs n'a pas eu. On n'a pas eu. Spectacle. Notre propre spectacle, nous n'a pas déjà. Et tu vois un peu le bail même, ton spectacle, même 5 francs tu n'as pas eu. Vraiment. Donc depuis ce jour, on a décidé c'est vraiment. C'est pas honnête du tout. Voilà. C'est pas honnête. Soyez honnête. C'est ça. Mais c'est tout ça qui ont formé les dégameurs. Voilà, c'est partout à l'argent. Si tu n'as pas Dieu là, non, on n'est pas là. On n'est pas là-bas. Voilà. En tout cas. Donc c'est à peu près ça quoi. Ah. Mais est-ce que vous avez déjà traversé des moments difficiles où chacun de vous se disait, bon, est-ce qu'on va pas arrêter de faire les vidéos là? Est-ce que ça a payé un jour? Bon, le comme c'est quoi? Oui. C'est que vraiment, tu sais que nous sommes des élèves, nous allions à l'école. Ouais. Et le problème c'est quoi? C'est que nous faisons beaucoup d'examens et tout. Mm-hmm. Donc souvent. Bon, tu te dis quoi? Tu dois réussir à l'école, puisque l'école déjà, c'est dans une bonne base. L'école déjà, c'est dans une bonne base. Ouais. Voilà, tout le monde doit aller à l'école. Tout le monde doit réussir à l'école. La comédie, c'est un passe-temps, mais c'est une passion pour nous. Donc, tu te dis quoi? Ah, bon, il y a l'école qui est là, maman dit non, il faut réussir à l'école, tout ça là. Donc, tu as une pression sur toi déjà pour commencer. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te dis quoi? Je vais réussir à l'école et je vais faire la comédie en même temps. Je vais réussir dans la comédie. Donc, souvent, tellement la pression est forte, tu te dis quoi? Bon, il a arrêté, il a envie d'arrêter. Justement. C'est moi qui n'ai plus d'inspiration. C'est moi qui mais là, ce qui est bon, c'est que nos parents nous comprennent. Mm-hmm. D'abord, si tu veux continuer la comédie, tu dois avoir une bonne moyenne en classe et tout. Classe. Mm-hmm. Il faut savoir manier les deux à la fois. Ouais. Quand c'est juste, c'est juste. Mm-hmm. Mais c'est quand tu veux non abandonner les études pour faire la passion. C'est ce qui est un peu bizarre. Là, ta maman ne peut pas comprendre, mais elle va dire hey, tu gagnes quoi, combien dedans. Et puis souvent aussi, quand tu te fatigues pour faire une belle vidéo et tu vois. Quelqu'un commenter pour dire non, tu fais rien, tu es nul. Commentaire négatif. Ou même tu fais comme celui-là, tu vois. Donc, c'est comme ça fait bizarre. Trop de personnes qui découragent les gens sur les réseaux sociaux. Voilà. Laissez-nous. Non, c'est comme ça nous. Y a quoi même. Bon, pourquoi, bon, pourquoi on est fort, hein. Le père d'Aïchi nous a rendu fort, quoi. Voilà. En tout cas, pas son âme. Voilà. Donc, il a déjà reposté une de vos vidéos. Bon, bizarrement. Oui. En story. Il a déjà reposté ça. En story. Il a posté la vidéo. Même arrière chez nous aussi. C'était le challenge de Kong. On score une fois, ça m'a fait plaisir. Ah, c'est super. On était content ce jour. C'est super. Dommage qu'il nous a quittés. Ouais. Sinon, on ne sait jamais où les dégameurs allaient se retrouver aujourd'hui. C'est peut-être ça. Que nous-mêmes, on n'allait pas avoir l'occasion de les rencontrer. Non, ça. D'accord, mais les dégameurs, ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est beau, mais à part la web comédie, qu'est-ce que vous faites en dehors de ça? Bon, moi particulièrement, actuellement, je suis titulaire d'une licence en audit et contrôle de gestion. D'accord. C'est vrai que en dehors de mes heures de tournage et de mes trucs, je bosse. Tu bosses. Je vais en formation c'est et tout. Cherche à faire t'as des sets. T'as pas une deuxième passion ou bien t'as pas quelque chose que tu aimes beaucoup faire à part la web comédie? À part la web comédie, il n'y a pas une autre passion en fait. D'accord. Donc après, ma seule passion après la web comédie, c'est de me concentrer sur les études. Ah, c'est super. Je suis entre études et la web comédie. Mais et le turfu? Ouais, moi, le soccer, hélas. Ah, moi, c'est un grand adepte du football. Hein. Le soccer. Je suis fort, lui, connaît. Il moi, m'a dit, moi après, la web comédie, c'est le football. Maracana. D'accord. Voilà, bon, en dehors de ça, je suis à l'INSAC, je suis en L2 à l'INSAC. Je suis en spécialité théâtre, cinéma et d'audiovisuel. Ah, t'as déjà bien commencé. Ah. Vu que tu es dans la web comédie encore, à l'INSAC, tout ça, tout ça t'aide même encore plus. Justement. Voilà. Mais moi, bizarrement, vraiment, je suis en Master 1 en planification projet. Mm-hmm. Mais après, lorsque j'ai fini ma formation en Master 1, oui. Master 2, je vais commencer à travailler et faire soutenir ma thèse. Quoi. D'accord. Et puis aller jusqu'au doctorat. Voilà, donc c'est pour dire, après la comédie, je bosse vraiment aussi. C'est super. Parce que vraiment l'école c'est important pour toute personne en fait. En tout cas c'est très important. Parce que la comédie c'est vrai c'est une passion mais ça coûte même en fait. Ouais. Voilà, pourtant l'école ça finit jamais. Voilà, tu peux aller même à la retraite, tu as toujours l'argent grâce cas. À ton papier. Voilà, ouais. Donc ça propose ça. Sinon j'aime aussi vraiment la musique. J'écoute vraiment la musique. Mais voilà.
ça t'est jamais passé à l'esprit de vouloir faire la musique, hein? Non. Parce que vous, on vous connaît. Au début, vous commencez à faire les vidéos drôles. Après, il est devenu chanteur. C'est un musicien qui est là. Hein. Non, vraiment, je suis passionné par la musique, mais c'est pas du genre de prendre la. Comment dirais-je même la musique pour un métier. Ce gars-là l'a surnommé le Dadju des dégameurs. Le Dadju. Donc, on est Dadju parmi nous ici. Le Dadju des dégameurs. Non, personne. D'accord, notre prochaine question, on veut savoir, les dégameurs, qu'est-ce qui vous inspire? Quelle est votre source de motivation? Bon, nous on s'inspire de tout, hein. De tout. On peut être là comme ça, en train de discuter comme ça, et puis l'idée vient en même temps. Pour nous, c'est un don. Nous, voilà. c'est Ratch à nouveau en train d'écrire des scénarios. Mais on dit les vrais projets même, c'est ce qui sort directement. Voilà, directement, c'est tout. Ouais. Ça approuve ça quoi. Quand c'est au regroupe entre des gameurs, on trouve des scénarios. C'est quand nous sommes trois que nous on réfléchit à un scénario. Même temps, ça vient. On et improvise. Si l'idée est bien, j'allais lui donner son idée, donne son idée, donne mon idée. On ne peut pas écrire, on n'écrit jamais. Et puis c'est chape, ça marche. Mais au fait, il y a ajouté de super. Quand il dit on n'écrit jamais, pour certaines personnes, ils vont se dire non. Un bon acteur, c'est celui qui écrit toujours. Pour certaines structures ou bien tout. Mais au fait, nous, quand on dit on n'écrit jamais, ça ne veut pas dire qu'on n'interprète pas des rôles. On interprète des rôles même incroyables même. Voilà, tu nous donnes ton test, nous, on ne s'accapare pas du rôle. Sans bruit. La preuve, on est qu'on a plusieurs projets. En vue même. Déjà écrit, déjà saisi. Il reste à la réalisation. Bon, d'abord, la chose qui nous inspire, on a dit, c'est Dieu. Hein. C'est Dieu. Voilà. Ouais, c'est ça, pas Dieu. On met Dieu. Quand tu mets Dieu dans ta chose, tout est réussi. Voilà, tout comme est quoi, Dieu, c'est le créateur de tout. C'est lui seul qui peut booster l'homme. Voilà. Ok, mais quelle a été la réaction de votre entourage quand ils ont appris que vous faites la web comédie? Bon, quand on a commencé à faire la comédie, on s'est fait beaucoup d'ennemis. Ça, c'est sûr, c'est normal. Parce que toi-même, tes amis du quartier ne sont pas prêts à te voir décoller. Souvent, moi, tu es là, je connais, tu nous envoies les liens à aller cliquer ma vidéo, à tes mains en vue. Tout ça pour ne pas te voir. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais quand tu partages les liens, même là. Souvent, quand tu l'envoies un lien, là, dis-toi, tu passes à salut, quoi. On vous a causé matin. C'est quel comédien ça là? Toi-même, tu es un comédien même. Et puis bizarrement, ils vont sourire avec toi. Ils vont sourire avec toi. Si tu les vois partager les liens de Rihanna, Chris Brown. Chris Brown te connaît où? Il te connaît où? Des gamins, ouais, toi, on ensemble ici, on mange. Si ça pétait, hein, toi aussi. Partagement. Tu n'es pas prêt. Ton petit doit posséder là. Tu ne peux pas prendre pour cliquer sur partager. Il ne peut pas. S'il fait là, ils vont couper son doigt. Ils vont couper. Non, les gars sont lépreux en fait. C'est la lèpre. D'accord, mais quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans votre carrière? On veut atteindre le sommet dans la web comédie, c'est-à-dire la web comédie, c'est vrai, on veut prendre le sommet, mais sans doute oublier que on doit assez de respect et beaucoup de respect aux devanciers de la web comédie. C'est-à-dire nous tout ce qui nous intéresse, c'est de s'instaurer, c'est pour que les gens reconnaissent vraiment que vraiment on est courageux dans la comédie. Parce que c'est pas tout le monde qui fait la comédie. D'accord. Voilà, il y a beaucoup d'entre nous qui ont des passions de la comédie, mais ils n'arrivent pas à mettre ça en valeur. Il y a d'autres qui commencent en valeur. Et puis ça abandonne. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est d'arriver au sommet. Même au sommet. Parce que dans le milieu de la comédie, c'est une concurrence. Hein. Voilà, c'est une concurrence ici. Concurrence. Voilà. Qui ne dit pas son nom, quoi. Voilà, c'est une concurrence. Donc on met tout dans la main de Dieu. Voilà. L'objectif n'est pas national, mais plutôt international. Voilà. Mais si tu as le soutien national, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Ouais. C'est super ça. Mais quelle est la plus grosse bêtise que vous avez déjà fait pour la web comédie? Chacun de vous allez devoir vous dire. La plus grosse bêtise. Bon, la plus grande bêtise, c'est une figurante qui est venue, on a fait la vidéo, tout et tout. Maintenant, elle me demande transport et tout. Ça commence bien, mais ça se termine pas bien. Voilà, elle me demande transport et tout. D'accord. Moi aussi. C'était dans les débuts. Hein. Ouais. Moi aussi, moi je pensais qu'elle-même elle a son transport et tout. Donc elle est là maintenant. Ouais. C'est chaud. Voilà, jusqu'à quand il est déjà la petite, il dit, tu sais ce qu'on fait, non? Si tu soutiens un peu de jetons, elle dit non, elle était venue en compte, elle dit non, bon, jetons qu'elle a, il peut décomposer. Il a arrêté Warren, elle est montée, non? Mais aujourd'hui, là, tu l'as remboursé ou bien? Oh, il l'a remboursé? Il l'a remboursé. Oh, c'était dans les débuts en 2018, mais maintenant en 2020, quand tu mets un genre statut WhatsApp, besoin de 5 figurantes, elle-même là, quand elle vient, et puis quand elle vient là, elle sait que ouais, on est venu chez les dégameurs.
Ouais. Tiens, on te met bien. C'est ouais. Même, elles viennent même, il peut être payé. Non, maintenant même là, par la grâce de Dieu, voilà. En tout cas, on ne se plaint pas. En tout cas, il faut toujours reconnaître ce que Dieu fait pour toi. Ouais, c'est bon de dire. Super. Quand ça va un peu, c'est bon de dire. C'est super ça. Voilà. D'accord. Bon, moi, ma plus grosse bêtise en tant que tel, depuis que j'ai embrassé le métier, oui. C'est un jour là, je me suis complètement. Je me suis complètement fait déshabillé en chocoteau, en chocoteau, et à l'entrée sur notre petite terrasse il pleuvait, donc l'eau qui venait là, je me mets de l'autre côté puis je couds et glisse jusqu'au prochain. Après encore il fait même chose, allez de tout, il fait au moins 7 fois et puis il finit, mais c'est assis à pluie. Maintenant il a fini ça, tout ça c'est genre, c'était une vidéo. Ouais. Mais quand elle finissait, elle s'est lavé. Puis moi, elle s'est assis et elle regardait la vidéo. Elle dit, mais franchement, je suis bête. Tes enfants ne doivent pas voir ça, hein? Donc, j'imagine que tu as supprimé. Non, ben, elle supprimait après. Quand elle a pensé, en fait, c'est bizarre, hein? Les bêtises prennent plus. Mal. Comme ça, c'est donc, quand elle a posté net, il voit en une heure, il a atteint 1200 vues. Il dit, c'est bon. Sur Instagram, il dit, non, c'est bon. En même temps, il a supprimé automatiquement. Vous abattez là. C'est pas bon. Mais moi, ma plus grosse bêtise, c'est que bon. Quand on a besoin des figurantes pour faire des vidéos, en fait, moi, je suis quelqu'un qui m'énerve facilement, en fait. Ouais. Voilà. Et quand tu appelles une figurante pour faire tes vidéos, la même manière que tu la respectes, il faut qu'elle te respecte comme ça. Ouais. Voilà. Moi, j'aime pas quand on fait un tournage et puis la fille, elle est distraite, c'est elle qui doit partir, là, son gars l'appelle, allô, il m'en va. J'aime pas ça en même temps. Parce que tu peux pas venir faire un tournage avec nous. Quand tu te lèves pour venir faire un tournage, tu finis le tournage avant d'aller. Ouais. Mais souvent, elles sont là, elles font le tournage, hein, ça finit même pas. Allô. On m'appelle. Donc, j'aime pas ça. Donc, il crie ciel, en fait, devant les gens. Ouais, donc, c'est la plus grosse bêtise pour moi. En tout cas, qu'elle m'excuse, quoi. Non, mais il a changé. Voilà, il a changé. Tu as changé de vie, comme voilà. Voilà. C'est Yavi Chien qui dit, il s'appelle Mouton. D'accord, mais quel est le plus gros sacrifice de chacun? Bon, moi, mon plus gros sacrifice, c'est que vraiment, j'ai loupé trois examens. Trois examens de classe pour un tournage. Ah bon? Voilà, en train de composer, puis elle laissait ça pour venir faire un tournage. Voilà. Mais pourquoi j'ai fait ça? Le tournage, parce que vraiment, pour moi, la comédie, c'est une passion, c'est pas ma femme. Et si vous voyez, ça voilà. Mais ça n'a pas tout gâté. Il est validé. Actuellement, ici en master. Ah, c'est super. Voilà. Moi, le plus gros sacrifice, c'est que j'ai abandonné l'université pour la comédie. Voilà pourquoi, pour suivre ma passion, je me suis laissé emporter par l'INSAC. Voilà. Donc, je suis allé à l'INSAC. Actuellement, je suis à l'INSAC. À cause de la web comédie. Je suis rentré à l'INSAC pour avoir plus d'expérience, plus de... Ouais, tu connais, non? Voilà. Moi, particulièrement, mon plus grand sacrifice, c'est avant d'embrasser ma carrière, j'étais avec une fille. Bon, mais quand j'ai commencé à embrasser ma carrière, tellement j'étais beaucoup dans ma passion, on n'arrivait même plus à se voir. Donc pour elle, je t'en qu'elle a délaissé, tant qu'un tu, il n'y a plus de temps pour elle, les bêtises. Dans son dos. Voilà, selon elle. Mais il a beau expliquer, elle a vu que bon, elle n'arrivait pas à me comprendre. Parce que moi, j'avais des objectifs. Et il dit toute chose, quand tu as des objectifs, atteins tes objectifs. Peu importe ce qui va arriver, essaie d'atteindre ton objectif. Bon, elle n'a pas voulu comprendre, bon, j'étais obligé de la libérer, franchement. Voilà. Mais aujourd'hui, là... Elle a envie de revenir ou bien tu fais bon, aujourd'hui, elle voit, mais elle sait que je suis une personne de caractère. Au fait, quand je te dis merde, c'est pas la peine d'essayer. D'insister. C'est même pas la peine de revenir. Parce que, au fait, non, c'est-à-dire, toi-même, si elle revient même à temps. Non. Tu n'es pas prêt. Non. Tu as gagné une bonne. Ça coûte non, il y a une. Tu as fait, remplacé oui, ça. Oui, au fait, je ne peux pas. Ta, elle est pimpante. Non, je ne peux pas mentir parce que, au fait, c'est une fille posée dans la tête. Ah bon? Qui est en fac de droit. C'est super. Voilà. C'est une fille posée dans la tête qui sait ce qu'elle veut dans la vie. C'est tout ce qu'on demande. Mais il faut suivre Gédéon. Attends, quand lui me dit fac de droit, donc c'est nous nos goûts là, elle vend poisson fumé à la gare. Bon, ouais, il accepte comme ça, ça fait rien. D'accord. Mais quelle est votre attitude avant de monter sur, avant de monter sur scène, quand vous faites des spectacles ou bien avant de tourner les trucs comme ça? Bon, comment vous vous préparez? Bon, bizarrement, bon, oui. Avant de monter sur scène, attends, dis en même temps. Il y a deux grands buveurs ici. Non. Voilà, c'est les deux là.
eux s'inspirent pour aller sur scène. Vous ressemblez à des imams comme ça. Ça dépend. Ça dépend du lieu à laquelle on va faire le spectacle. Si c'est un petit coin à fort, mec. Tu sais, au début, quand le plus est trop assez dans les festivals, la pression, plus de 1000 personnes, tout ça. Donc, quand ce coin-là, il faut t'y rêver un peu, c'est tout. Au fait, quand il parle, pas pour dire ça, ça nous inspire. C'est pas ça qui nous fait. Un petit réveil. De temps en temps. De temps en temps. Au fait, il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache que quand il parle de buveur, là, c'est pas de l'alcool. De l'alcool là. On boit au moins tout, on peut boire 3 ou 4 codices énergie avant de monter sur scène. Pas pour dire ça, on se saoule, non. Il y a l'eau dedans même. L'inspiration, c'est un don. Il faut qu'on précise. Sinon, nous là, on a déjà. Ils vont nous voir des. On était déjà très loin même. Maintenant, la question qui vient là, c'est la question même que les fanatiques même là, ils attendent. Voilà. Est-ce que vous avez déjà couché avec vos fanatiques? Est-ce que genre, parmi tes fans là, il y a une mousseau qui t'a enjaillé jusqu'à. Comme tu as dit non, celle-là. Attends, et si la question. Et si la question était dans le scénario? C'était trop dedans. Tu nous as pas dit ça? Tu n'as pas lu bien, tu as sauté. Bon, bizarrement, moi, je n'ai jamais couché avec une fanatique. D'accord. Ouais, elle peut nous écrire pour dire non, j'aime tes vidéos et tout, je veux venir te voir. Mais de façon professionnelle, tu n'as pas rentré dans son jeu. Tu sais pas comment, non? Voilà, sinon, il y a des gars qui nous draguent. Ça, c'est normal. C'est normal. Parce que dans le milieu, on est là. Toi-même, tu connais. Exigeant. Voilà, pour dire non, tu vas partir coucher avec elle, il n'y aura plus de respect. Ouais. Voilà, elle peut gâter le nom chez ses camarades et tout et il tout. T'es dit. Voilà, voilà pourquoi on ne couche pas avec, nos fans. C'est toi ou bien tu parles au nom du groupe? Bon, en tout cas, moi, je ne connais pas. On se connaît bien. C'est pas qui est. Il dit la vérité. Moi, pour moi, je n'ai jamais couché avec fan. Sinon, je connais. Ouvert, dans toutes choses, quand tu es de faire respecter, il y a des limites à ne pas franchir. Voilà. Quelqu'un qui te voit comme une idole. Quelqu'un qui voit en toi des valeurs, quelqu'un à qui tu fais du bien. Parce qu'en regardant ta vidéo, la personne se sent bien. Mais pourquoi venir mettre ce genre de truc entre vous? Parce qu'au fait, du moment où tu mets ce genre de truc entre vous, c'est comme toi-même déjà naturellement, sans le savoir, tu montres à la personne que au fait, tu es faible. Parce que souvent, il y a des tests. Il y a des fans qui testent. C'est que toi tu es tombé. Sinon, il y a la même fille qui m'a écrit. Elle dit de la faire rire. De te faire rire. Donc, on te voit ça, on rit là-bas. Sinon, non, mais non, moi, j'ai jamais eu de rapport avec une fan. Mais en tout cas, ma go là, c'est une fan. Elle en France, elle fait coucou. Elle s'appelle Aïcha. Aïcha. Voilà. Aïcha, attends. C'est pas la même Aïcha. Aïcha, c'est quelle Aïcha au fait? Parce que. Bon, après l'émission. Bon, ok, après l'émission. Non, après l'émission. Il n'y a pas après l'émission. Nous tous, on veut savoir Aïcha, c'est qui? Bon, vous dites vraiment, nous, on ne peut pas coucher avec femme parce que vraiment, on a déjà une petite dans notre vie. Voilà, chacun sa femme ici. Voilà, chacun son mousseau. Ouais, donc, chacun son mousseau. Voilà, on ne peut pas aller faire des bêtises avec des fans. C'est pas normal en fait. Justement. Mais en tout cas, et ceux qui se marient avec leurs fans là, comment ils font? Je pense que je vais la marier. Tu sais que maintenant. Comment tu t'es arrangé et puis tu es tombé dedans? En fait, elle dit de la faire rire. Quand elle dit Soko Bore, là, elle aime ça. Donc, mon boss, c'est le notre vocal Soko Bore, là, Soko. Bon, quand il s'est fâché, il dit, bon, il n'y a pas Soko Bore, là. Tu vois un peu, non? Elle aime rire. Donc, on jouait ça. Ce que Dieu m'a dit là, on fait ça. Sinon, on rit seulement. Elle est plus moi. En tout cas, donc, on retient que les dégameurs, là, il n'y a pas un parmi eux qui a déjà couché avec une de ses fanatiques. Voilà. Donc, les filles, là, pardonnez, arrêtez ça aussi. Voilà. Vous provoquez les pauvres jeunes qui cherchent à On se débrouille un peu son monde. Garçon qui est mince, il est au point. Attention, fait rouge. Lui, là, il est au point. La mise au point est correcte. Voilà. Mais on veut savoir aussi comment vos parents ont appris que vous étiez dans la web comédie. Bon, déjà pour commencer, tu sais, quand tu as commencé à faire la comédie, puisque tu vas déjà à l'école, c'est pas tous les parents qui acceptent. Oui, voilà. Effectivement. Tant que ton truc n'a pas produit, tant qu'ils n'ont pas vu le résultat de ce que tu as fait là, vraiment, ils ne vont pas t'accorder une chance de pouvoir continuer ta passion. Exactement. Voilà. Donc, quand on commence à, par exemple, nos spectacles et tout, l'argent qui rentre, on vient en présentant nos parents, voilà maman, voilà ça c'est pour toi. Hein. Mais déjà, elle voit que ça commence à apprendre.
Donc tu laisses continuer ta passion, mais toi tout ce que tu dois faire, c'est de bosser à l'école en fait. C'est le seul problème en fait, aller à l'école. Pour elle, l'école, c'est la voie même de la réussite en fait, du succès. Donc sinon, il n'y a pas de problème en tant que tel. Tu fais son travail, tu fais ton bar. Mais est-ce que vous pensez que vraiment l'école est comme on le dit là, l'école est vraiment le seul moyen de réussir en tant que tel, réussir, péter en tant que fait, tel. Au fait, pour moi, je dis toujours, chacun a son étoile. Voilà, chacun a sa manière de voir les choses. Moi particulièrement, je peux me dire, c'est vrai, tu peux avoir une passion, mais il ne faut pas négliger l'école. Parce qu'aujourd'hui, on voit que grâce à l'école, même quand tu as ta passion, même quand tu réussis dans ta passion, tu vois que au fait, dans ta passion, tu appliques ce que tu as appris à l'école. Donc, c'est comme l'école, c'est une base déjà. Il suffit d'instaurer la base. Comme on le dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu des doctorats, des trucs qui chôment, qui ne sont pas... Oui, mais comme on le dit, c'est question d'étoiles. Voilà. Et aujourd'hui, bon, quand vous asseyez, quand les dégameurs s'asseyent et puis regardent leurs vidéos d'avant et puis maintenant, quel est le constat qu'ils font? Bon, qu'est-ce que on peut dire par rapport aux anciennes vidéos, vraiment, on n'était pas professionnel en fait. On faisait des vidéos parce qu'il faut faire des vidéos. Mais quand on a mis une stratégie en marche, vous voyez, on a mis une stratégie en marche, on s'est dit quoi? Bon, aujourd'hui, les gars, ils regardent que des vidéos de la société en fait. Voilà, les vidéos faites par la société. Donc on s'est dit quoi? Pourquoi pas aller vers là-bas, vers ce type de vidéo. Voilà, parce que chacun de nous a un style. Voilà. D'accord. D'abord, pour faire quelque chose de meilleur, d'abord, il faut trouver toi-même ton propre style. C'est ça. Voilà, donc on a essayé de trouver chacun son propre style et puis on a mis ça en évidence. Voilà. Au début, donc, on s'inspirait de Freddy, Moses, mais actuellement, nous, on a notre propre style. Donc, ça nous réussit. Mais comment vous voyez votre évolution? Bon, on voit que bon, ça a grimpé, d'un coup, quoi, ça a grimpé. On peut dire avant, on faisait les 800 vues, les 200 vues, mais maintenant, là, on fait les 300 000 vues, les 400 000 vues. Voilà, surtout sur Facebook et tout. On fait les 40 000, 50 000, mais on voit ce qu'on fait, ça commence à donner. Voilà, donc, c'est dit quoi? On va rester sur ce style-là. Ok. Voilà. Donc, vous avez compris, vous avez pu voir un peu de quoi les dégameurs s'inspirent. Vous avez pu comprendre un peu le parcours des dégameurs. Ouais. Vous avez compris leur gamme. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, en conclusion, tout ce que je peux dire aux petits comédiens, c'est de se rallier avant qu'on meure. Voilà, c'est de se rallier seulement avant qu'on meure. Okay. Voilà. Au fait, ce que moi je peux dire à ceux qui viennent de débuter dans la web comédie, si c'est vraiment leur passion, si c'est vraiment leur passion, qu'ils persistent dans ce qu'ils ont commencé. Okay. Mais si ce n'est pas leur passion et qu'ils font ça juste parce qu'ils voient d'autres personnes le faire, qu'ils abandonnent. Parce que la web comédie, avant de voir les fruits de la web comédie, si tu n'es pas passionné, si tu n'es pas passionné, franchement, tu vas arrêter. Ou bien tu seras là, oui, un moment on parle de toi, et puis bon, un coup, tu t'es éteint, c'est fini, et puis bon, personne ne parle de toi, c'est fini. Et aussi, remercier en même temps aussi un frère, un ami, Segano. Je sais que Segano et Mayam Djafou, car c'est quelqu'un vraiment... Même surtout. Même quand on n'avait pas encore commencé à briller un peu dans la web comédie, il nous a toujours donné des conseils, toujours nous dit « Ah, famille Et même à ce 17 octobre, où il y a le spectacle, notre spectacle des dégameurs, il sera là pour venir montrer en quoi, qu'est-ce que c'est que la fraternité. Donc les web comédiens, j'aimerais que vraiment ensemble en Côte d'Ivoire, les web comédiens soient comme une famille et non comme des concurrents. Et ça c'est très important. Tout ce que moi j'aimerais dire, c'est que l'État puisse se pencher un peu sur au niveau de la web comédie. Voilà, parce que si vous-même vous avez remarqué, dans les pays anglophones, c'est développé au Nigeria, les Sydney, là-bas c'est développé en fait. Ici, si on pouvait même budget pour la nouvelle génération, pour les web comédiens, en tout cas ça nous fera plaisir. Pour valoriser le talent. De toute façon, nous voyons le coupé de Calisson Unis, le rap ivoire. On a des dévanciers qui ont commencé déjà le travail, tels que Pancho et Moses Aoui, qui ont déjà commencé le travail. Et actuellement, mais ils ont besoin de soutien. Ils ne peuvent pas se débattre tout seuls pour faire ça. Il faut qu'aussi d'autres dévanciers de la web comédie s'associent à eux afin de valoriser le travail qu'ils ont commencé. C'est clair. Tout ce que, je voulais ajouter un petit truc. Oui, voilà. Tu peux ajouter, vas-y. Il ne suffit pas de faire vidéo matin, midi, soir. D'accord.
Voilà, il suffit pas d'avoir aussi des abonnés. Parce que pour d'autres comédiens, c'est d'avoir beaucoup d'abonnés pour pouvoir faire les vidéos. Pourtant, non, c'est pas cela. Comment faire des abonnés de l'argent? Voilà, c'est le but en fait. C'est vrai que tu fais par passion, mais quand tu sais que ça dépasse les limites là, maintenant tu as fait de tes abonnés maintenant de l'argent. Ah. Voilà, donc tu as t'asseoir. Tant qu'une vidéo n'est pas propre, tu ne la postes pas. Si toi-même ça ne te fait pas rire, faut pas te la poster. Ah, c'est tout. Voilà. Nos petits frères, voilà, s'il vous plaît, je vous en supplie. Si vous aimez la comédie, même si tu as deux vues, il faut continuer. Voilà. C'est une vidéo qui a t'enlevé de l'ombre. Voilà. Faut jamais faire vidéo. Il n'y a pas que les j'aime et les commentaires. Voilà. Mais il y a aussi l'objectif. Il faut toujours se rabaisser parce que celui qui se rabaisse, c'est le plus fort. Okay. Celui qui tape sa portée, c'est le plus faible. Voilà. Donc, ce soutien. C'est un truc qu'on peut vous dire. On a été vraiment ravis d'être aujourd'hui avec les web comédiens qui sont les dégameurs. C'est réciproque. On profite en même temps pour saluer un grand homme du milieu de la comédie. Bon, il a lancé beaucoup de web comédiens aujourd'hui, les Pancho, tous ceux, les Jules Beko, qui est Roland le Benguiste. Roland le Benguiste. Voilà, et lui. En tout cas, c'est quelqu'un aussi qui s'est battu pour le milieu du showbiz. Le milieu de l'humour, des web comédiens. En tout cas, c'est un grand homme qui a un bon cœur. En tout cas, voilà. En tout cas, bonjour à ça, mon vieux. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission. Hein. Peut-être qu'on va inviter encore les dégameurs parce que vraiment, on a tout dégamé ici. Hein. Yes. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit, non? Ngwadiaou, Soko, Boire, Last Bye. Ensemble. Ok.